Ce n'est pas étonnant que peu après Pâques, l'Église nous fasse lire cette rencontre de Jésus avec Nicodème. Car qu'est-ce que participer à la résurrection de Jésus, sinon renaître ? Renaître parce que on a mal vieilli, nous ressuscitons si nous repartons sur des bases nouvelles. Et puis nous renaissons si nous ressuscitons, si au lieu de nous référer à l'esprit du monde, nous nous référons à l'esprit de Jésus. Nous avons à renaître dans la foi, à ressusciter notre foi, parce que au lieu de répéter un catéchisme, il convient de passer notre temps à repérer les signes qui montrent que Jésus est actif, vivant. La personne renaît, ressuscite, quand, renonçant à tout contrôler, elle se met en tête que l'Esprit du Christ est libre comme le vent, libre d'agir sans que quiconque le contrôle. La personne qui décide de ne dépendre que de Dieu et qui se réjouit d'être dans la main de Dieu, cette personne-là renaît. Elle voit en elle l'action de Jésus ressuscité.